Un petit quiz pour tester vos réactions, bonnes ou mauvaises, face aux petits désagréments, un peu comme Joël, que vous allez peut-être rencontrer pendant vos vacances. Alors, vous êtes invité à un barbecue et vous constatez que les chipolatas sont cramées, carbonisées. Que faites-vous ? 1. Comme vous êtes bien élevé, vous mentez en disant « Ouah, Solange, c'est exquis, c'est divin, ta bidoche est vraiment à tomber. » 2. Vous lancez la chipo à Médor en lui disant « Allez mon gros, on va chercher la chipo. » 3. Vous mangez la chipo sans faire de commentaires, mais vous urinez dans la piscine de Solange pour vous venger. Bah ça, la alors, troisième, si c'est qu'uriné. Deux réponses sont acceptées. La première, être faux cul pour être réinvité. Mais il y a des nuances. Moi, je mange la chipo, mais je ne dis rien. Non, vous, non, Stéphane, déjà, chipolata, c'est contraire à votre régime. Et si c'est cramé, vous ne prenez pas. Et évidemment, vous pouvez uriner à partir du moment où personne n'est au courant. Elle est folle. Alors, elle est folle. Mais tout ça, ça peut arriver à tout le monde, la chipo cramée. Ensuite, vous avez loué une maison de vacances et en arrivant, vous constatez qu'elle est collée à un camping. Que faites-vous ? 1. Vous pourrissez Bernard en lui disant que c'est vraiment un tocard. Pardon, Bernard. 2. Il y a un truc entre vous. Vous foncez à l'hyper du coin, vous achetez une banane en sky, une casquette de 1000 et un slip moule-moule. 3. Vous courez inscrire Janine au concours de Miss Camping. Qu'est-ce que vous faites ? C'est bien d'être à côté de moi. Eh bien, on s'adapte. On ne râle pas sur son conjoint. On pose Kichi, Miss Camping et la panoplie du campeur. Ensuite, pas raté une occasion comme ça. Une petite dernière. Vous avez loué une maison en Grèce et vous découvrez, oh joie, que votre voisin n'est autre que Stéphane Bern. Que faites-vous ? Vous achetez une casquette Mimi. Il vaut mieux, là. On fait pipi dans la piscine. 1. Vous tentez de vous faire inviter en criant « Vive le roi !» Non, ça marche pas, ça. Ça m'inquiète. Vous restez à l'écart, parce qu'avec les gens de la télé, on ne sait jamais. 3. Vous appelez le magazine Voici en leur demandant combien ils sont prêts à payer pour une photo de Stéphane nu au bord de la piscine avec ses domestiques, d'autant que dans le maillot, il y a du répondant à ce qu'il parle. Non, mais elle est folle. Vous voulez une augmentation, Charles? Oui, absolument. La bonne réponse est la réponse 2. On se tient à l'écart parce qu'avec les gens de la télé, on ne sait jamais. C'était Charlotte Desjardins. Non, c'était Charlotte. Allez, on en a une pause.